Allez, salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spider-Man PS4. On est parti, alors Mary Jane nous attendait pour un rendez-vous, je sais plus où, et on y va tout de suite. Voilà l'entrée de la scène. Et on sera juste devant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Tout se passera bien, chérie. La dernière fois que j'ai fait un discours, c'était au lycée. Madame Steinberg m'avait mis un sémoin. Eh bien, Madame Steinberg serait fière de toi aujourd'hui. Eh, ça va le faire, papa. Sérieusement, t'as sauvé Spider-Man. Je suis sûr que ça fait de toi un vrai super-héros. Un super-héros? Ouais, ou... disons plutôt que je suis un dur à cuire. Viens, chérie. Bienvenue à tous. Avant de donner la parole à Monsieur le maire, j'aimerais vous dire quelques mots. C'est une chance pour notre... Alors ? Je crois que cette guerre des gangs est enfin terminée. Genre, terminé pour de bon? Je crois. Je veux dire, à part quelques détails qui restent à régler. Des détails? Eh bien, j'ai vu un camion de la société Consolidated Shipping quitter les lieux. Et il y a quelque chose de pas net. Mais je sais pas quoi. On pourrait aller prendre un café après ça et résoudre cette énigme. Ouais? Eh bien, merci beaucoup. Je n'aurais pas dit mieux moi-même, mais je vais essayer. Nous savons tous que l'agent Davis est un héros. Mais on pourrait peut-être dîner ensemble au lieu de prendre un café. Je pourrais venir chez toi, je cuisine. Ou alors on pourrait se retrouver dans un lieu parfaitement neutre pour un repas tout à fait normal, cuisiné par des professionnels. Ainsi, pour ces actes d'une bravoure extraordinaire, dépassant de loin l'appel du devoir, j'ai l'immense privilège de remettre à l'agent Jefferson Davis la médaille d'honneur du département. Téléphone, monsieur. Je suis un peu occupé pour l'instant, Jim. Ça semble urgent. Bien. Toutes mes félicitations. Merci, monsieur le maire. Je dédie cette récompense à ma famille, à ma femme, Rio, et à mon fils, Miles. Sans leur soutien, je ne serais pas là aujourd'hui. Allô? Ça fait des années que j'attends ce moment. Qui est à l'appareil? Dans les jours à venir, votre société, votre ville et tout ce à quoi vous tenez vont disparaître. Les gens vous supplieront de les aider, mais vous ne pourrez rien faire pour les sauver. Écoutez, sombre crétin, des menaces comme celle-là, j'en reçois à l'appel. Et si vous veniez me dire en face ce que vous voulez? Vous regardez souffrir. Oh putain. Allez, ça a un truc. Putain, lui aussi, c'est un traître. Oh putain, des kamikazes. Roco. Eh ben dis donc, ça commence bien. Miles!
Moment dramatique tout de même. Miles! Miles! Avec moi. Je suis là. Oh Dieu, merci. Ça va, le fils est toujours vivant. Je crois qu'on va jouer Miles dans cet épisode. Maman ! Peter, ça va Peter ? Oh là là, t'as les yeux qui sont retournés là, ça fait flipper. Ça fait flipper. Bon, on va quand même suivre la mère. Alors c'était par où ? Elle est partie par où ? Ok, on peut pas aller à droite. Par là-bas. Par où je peux passer là? Ah, il va falloir passer sous la voiture. Alors, je sais pas quel est l'intérêt de jouer un troisième personnage, sachant que lui, je ne le connais pas. Hein. Dans la série des Spider-Man, je ne connais pas Miles. Hein. Est-ce qu'il existe réellement? Oh putain, il y a un truc qui est tombé sur sa mère. Ça serait Electro, je sais pas. Non. Electro, c'est un Renoir, non? Non, Electro, il existe déjà. Donc tout ça, c'est des séquences cinématiques, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas si on va avoir du gameplay avec eux. Est-ce que ça va? Ça va, petit. Tu vas bien? Oui. Et toi, est-ce que ça marche? Je vais bien. Ça va. T'es sûr que ça va? Oui, ça va aller. C'est fini. Je m'en sortirai. Non, non, bon, écoute. Je dois retrouver papa, d'accord? Non. Miles, papa. Non. Alors, on va aller retrouver le père. Papa est ici. Et par où on peut passer? Je vais le trouver. Miles! On peut pas passer par là, d'accord. C'est par là-bas. D'accord, heureusement qu'ils me le disent. La structure n'a pas l'air d'être bien solide. Papa est en vie, je le sais. Ah, peut-être par ici. Oh, quand ça a pété. Mais qu'est-ce que... Oh putain, il y a les Schneaux qui arrivent. Putain, merde! Fallait le faire en infiltration! Ah, ok, d'accord. Ben oui, c'est facile. Forcément, quand on joue pas un mec qui a des super pouvoirs, on doit forcément jouer en infiltration. Ok. Sur la droite. On va passer par la voiture. Je sais pas pourquoi, mais Martin Lee du Fist, j'ai l'impression qu'il fera partie de ces démons. Alors c'est quoi l'histoire? Pourquoi il est violente là? Ah putain. Elle est morte ou quoi? On va attendre que le faisceau s'en aille. Là, c'est bon. Parfait. On va attendre qu'il se casse lui aussi. Parfait. Un moyen de les contourner. Alors, comment je les contourne? Mais ils sont sérieux là? Oh, mais non! Sans déconner. Allez, on attend que le faisceau s'en aille. Parfait.
Mais Dongjing, tiens-en. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On va attendre le top départ. Ok. 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 Il me voit pas sans déconner. Bon, ça a l'air de passer en tout cas sur la poutre. Ok, on va attendre qu'il se casse. Et ensuite, on va aller là-bas, je pense. Non, côté droit. Papa était juste là. Je dois l'aider. Ok, il est juste ici. Fonce. Ok, on va se cacher. On va attendre que le mec en haut. Je suis là, papa. Ah bah ouais. Quand on veut faire son voyou, faut avoir les... Faut avoir des grosses boules. Non. Non. Ça c'est fait. Nous devons partir. Tout de suite. Oh putain, Martin Lee. J'en étais sûr. J'en étais sûr. J'en étais sûr, c'était gros comme une maison. Papa. Papa. Je savais qu'il était chelou depuis le début. Je crois qu'il est mort le père là, non ? Papa. Papa, non. Donc la bombe qui s'est prise dans la tronche. Réveille-toi, papa. Réveille-toi, allez. Réveille-toi. C'était sûr et certain. Sûr et certain. Je le savais. Je le savais. Une semaine plus tard, carrément. Ah oui, l'enterrement. Mort le jour où on lui remet une médaille quand même. Toutes mes condoléances. Est-ce qu'on se connaît ? Je suis Peter Parker. J'étais à l'hôtel de ville quand... Écoute, je sais qu'on ne se connaît pas, mais... Je voulais seulement te dire... Je comprends ta douleur. C'est bien ce que t'allais dire, pas vrai ? Ou... La douleur s'estompe avec le temps. Ou ne t'en fais pas. C'est Dieu qui a un plan pour tous. Je suis désolé, j'ai essayé seulement de... Seulement de m'aider. Je sais. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment je vais faire avec lui. Eh ben dis donc, c'était un épisode bien triste. Mais vraiment bien triste. Ce qui remet du poids à l'ambiance du jeu.
Allez, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain. À plus dans le bus et à bientôt dans le métro.